Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Race Driver. Non, c'est faux. Race Driver Grid, tout court. Le premier Grid sorti sur les nouvelles consoles génération à l'époque, donc sur Xbox 360 et sur PC, j'ai le droit. Et sur PC, j'imagine aussi. Là, on est sur la version PS3. Alors, je vais la faire courte. Si vous êtes sur ma chaîne et vous me connaissez depuis pas mal d'années, vous savez qu'il y a des jeux que je n'aime pas. Pour diverses raisons. Celui-là en fait partie. Je n'aime pas, en tout cas, Race Driver Grid. Après, attention, ça reste mon point de vue. Le jeu n'est pas mauvais en soi, c'est un bon jeu. Ça, je le précise aussi. Mais de mon ressenti, je n'ai pas aimé pour les raisons que vous allez voir au fur et à mesure. Donc, on va faire. Alors, il y a un monde de grid, pardon, course exhibition, ça me permet de faire des courses un peu de tous les styles. Il y a un mode multijoueur qui n'est pas possible là parce qu'on n'est pas en multi. On a des options. Donc sur le profil, les options de pilotage, d'affichage, de son, etc. On va faire un retour. Déjà, juste pour commencer, ce que je n'ai pas du tout aimé dans ce jeu, c'est très très bête. Mais c'est ce que je détestais d'ailleurs à cette époque. Vraiment, des débuts de la PS3, 660, les jeux PC, etc. C'est ce surabus de blur, ce surabus de couleurs délavées et cette impression qui fait jamais beau. On a l'impression d'être dans la dans le tour du sable, dans un désert en fait. Et ça, c'est un truc que je ne supporte pas dans ce jeu et que je ne supporte pas ou non plus dans les autres jeux, notamment à l'époque j'en ai parlé sur Formula One 2010, que je trouve ignoble pour ça. C'est pas grave, on va quand même découvrir, redécouvrir ce jeu. Alors moi j'ai joué il y a, ouh là là, il y a hyper longtemps, et en plus j'ai joué même pas sur ma console, ni sur ma partie. Je faisais des courses avec un pote qui était sur sa carrière, donc je n'ai même pas commencé le jeu finalement. J'ai juste fait des trois courses comme ça pour l'aider. C'est parti. Je crois pas qu'on est sur PS3 et je pense qu'il va y avoir peut-être quelques petits légers bugs, ne m'en voulez pas, je n'ai pas le PC de fou pour le faire tourner sur la PS3 donc. Petite précision aussi, je vous expliquerai après. Là ça bug un peu, c'est magnifique, j'adore ça, j'adore. On va voir si l'épilepsie elle dure infiniment ou ça va passer à la suite. Bon alors j'espère que vous n'êtes pas morts les gens. Codemaster présente, épilepsie numéro 1, numéro 2. Racing Studio Game, alors je vais passer ça parce que je veux pas vous infliger ça. Donc on va passer cette partie qui est totalement buggée. Je pense que c'est juste les FMV, ouais c'est bon, ouf, c'est parti. Allez c'est parti, donc on est immergé dès le début dans le jeu, qui d'ailleurs est sponsorisé par JVC, par Rivet, par VGSO, par tout ce que vous voulez. Et être au volant d'une Chrysler Viper de deuxième génération, hein, où je pense que c'est le nouveau modèle qui était sorti à l'époque. Ça c'est marrant parce que on se retrouve projeté dans une course dès le début et le mec il te fait un topo sur la caisse alors qu'on est déjà en train de faire la course. Genre, tout va bien quoi. Bon, enfin, ça c'est encore le côté un peu drôle, hein, je veux dire, c'est pas ça qui va plomber le jeu maintenant. Donc là, on est dans une cour, on sait pas pourquoi, on s'appelle Peter Jones. Je pense que c'est un petit peu pour nous mettre dans le bain, je me souviens plus. Oh là, attention. Je suis pris le mur, c'est magnifique. Je suis 8ème. Donc on est dans un environnement urbain, il faut que j'habitue au maniement, hein, je vous le dis. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Je voudrais bien éviter les ennuis, mais ils sont tous de. Je pense qu'on est à San Francisco là. Ouais, freinage, gros freinage ici. Intérieur. Et on prend la première place. Il y a un seul tour à faire, apparemment. On parlera du reste au calme. Là, pour l'instant, je fais une petite course d'introduction. Alors, on a plusieurs vues, je pense. On rendra un petit peu ça après. On a une vue un peu plus éloignée. On a une vue très rapide, vue de dessus, dessous, pardon, une vue du capot et une vue intérieure qui est très très bien faite. On aura le temps après d'en parler. Voilà, je vais essayer d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh, attention, attention, il y a une petite chicane là. Oh, attention, là tu vas essayer de me rentrer dedans.
On a tapé tellement de murs que logiquement on aurait dû exploser la voiture depuis le début. Évidemment, je veux dire, mais qui en douterait en fait. Alors, c'est la série, donc c'est moi. Je sais pas pourquoi en jeu, bon, mon nom était... Ah non, je crois que c'était le nom du leader, Peter Jones, donc j'ai pas fait gaffe. Donc, on a gagné la course, il y a l'air d'avoir au moins 10 voitures, peut-être qu'il y en a plus. On va voir un petit peu. Ce jeu est sponsorisé évidemment par Mondotech et Smirnoff. On va peut-être la ref. Vitesse visuelle 260 km/h, offre pilote effectué 0. Vous avez fini les qualifications à San Francisco et vous avez gagné votre permis rookie dans les 3 régions. C'est un bon début, mais les autres permis ne seront pas si faciles à obtenir. Et puis il faut aussi commencer à gagner de l'argent. Vous gagnerez des permis en augmentant votre réputation. Bonjour Sarah, je suis votre nouveau manager. Mon job, c'est de gérer l'argent. Le vôtre, c'est de piloter. Ce garage ne paye pas de mine, mais il deviendra votre second chez vous. Je peux vous dégoter une voiture au rabais, mais il faudra la retaper. On va avoir besoin d'environ 80 000 $. Vous piloterez d'abord pour d'autres équipes. Gagnez quelques courses et vous aurez assez d'argent pour monter votre propre équipe. J'ai beaucoup misé sur vous. Ne me décevez pas. Piloter pour d'autres équipes est un excellent moyen de se faire de l'argent rapidement. Vous gagnez une somme fixe par course, plus des primes si vous obtenez de bons résultats. En revanche, votre réputation n'augmente pas autant que lorsque vous courez pour votre propre équipe. Bien entendu. Alors, pourquoi ça va? Tout simplement parce que ça ressemble à Saya, voilà, juste pour faire le petit résumé. On peut choisir dès le début en fait d'avoir un nom et il peut le prononcer. Et en fait, le seul qui pouvait le plus se rapprocher, bah, c'était Sarah, voilà. Alors du coup, on a le choix entre une Chevrolet Lacetti, une Porsche 911 ou une Nissan 350Z. Alors le début explique plus ou moins les choses bien, il n'y a pas de souci. Rapidement, avant qu'on soit en course, le jeu est pour l'époque extrêmement beau, extrêmement bien fait. C'est vraiment, d'ailleurs toujours le cas, je trouve que c'est très beau, si beau. Même si, voilà, on a toujours l'impression qu'il fait toujours gris, sablonneux. Il n'empêche que les effets sont magnifiques et que les voitures sont très bien réalisées. Donc ça, c'était vraiment un point fort. On a un spotter qui parle avec nous. Ça, c'était, on l'avait vu déjà dans les Tokyo Race Driver avant. Donc ça, c'est pas une nouveauté, mais ils ont continué le système. Et là, on a une carrière. Bah, c'est un peu le principe des Tokyo Race Driver. Enfin, concrètement, on est dans la suite. Sauf que là, on a quand même niveau graphique qui a bien monté d'un step. Le niveau de dégâts aussi. Et vous allez voir, on a quelques nouveautés aussi. Je sais pas ce qu'on va prendre, une 911. Bon, allez, on va prendre le premier. Apparemment, c'est ce qui rapporte le plus. Alors, ça peut être pas le plus facile non plus, mais... Alors, la voiture, elle a vitesse max moyen. Ok, donc on a les stats et niveau E. Donc, je pense que c'est un niveau qui est très bas. Et ça sera le circuit de Washington Park Circuit. Et déjà, voilà, première chose qui ne m'a pas plu. On est sur des circuits qui n'existent pas. Voilà, on est sur... Enfin, en tout cas... Beaucoup de circuits n'existent pas, on est sur le circuit en ville souvent. Et c'est ça qui m'a pas du tout plu en fait. J'aurais préféré avoir des circuits qui existent, des circuits de sport auto, pas des circuits à Washington. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va quand même lancer. Ça vous permet de régler le niveau de difficulté de chaque compétition. Plus le niveau est élevé, plus votre réputation augmentera. Alors, donc on peut choisir de monter le niveau ardu, normal, simple, etc. On va se mettre en normal pour le moment, parce que bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, on va pas non plus se prendre pour ce qu'on n'est pas. On a un mode pro, donc ça désactive la relecture instantanée ainsi que le redémarrage de course en menu pause. Donc, petite nouveauté d'ailleurs de ce Race Driver Grid, c'est qu'on a le flashback, c'est-à-dire que, là on en a 4 par exemple disponibles, si vous avez un gros accident et que, ou même vous vous loupez dans un virage, vous perdez du temps, vous sentez que vous allez perdre la course, eh ben vous pouvez revenir en arrière et retenter de passer ce virage ou éviter ce crash, etc. Donc ça c'est un truc qui pour moi, quand ça a été mis en place, ça est arrivé dans ce jeu, j'ai fait bon, ok, bon, on va pas être con, ça permet aux gens d'intégrer le sport automobile en tant que jeu vidéo, que ça reste un petit peu fun, que ce soit pas super dur comme un Tokyo Race Driver qui est vraiment plutôt pour les gens qui aiment la stimulation. Donc moi ça m'a pas plu, mais je comprends tout à fait le concept, y a pas de problème. Mais comme ça m'a pas plu, je ne vais pas les activer, donc je vais mettre mode pro, oui. Quitte à me faire totalement démonter, mais c'est pas grave. On a la caméra casque pilote, oui ou non, donc ça oblige en fait à avoir la vue intérieure ou la vue extérieure. Ça je vais pas le faire, parce que bah, honnêtement je m'en fiche un peu. L'assistance pilotage,
J'ai enlevé assistance freinage et direction qui était activée par défaut. Transmission auto, contrôle traction. Bon, ça je laisse, en transition je pourrais l'enlever en fait. Et je laisse pour le moment parce que c'est un jeu où c'est quand même assez bourrin, donc le fait de se taper souvent avec les bagnoles, c'est très difficile de jauger avec en plus le traction de contrôle. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc ce jeu peut être un peu plus simu si vraiment on en a envie. Et on va faire aller à la course. J'espère que ça va bien se passer durant toute la vidéo. On a un mode dérapage apparemment aussi. Ce jeu m'avait beaucoup pensé à Need for Speed à l'époque, d'une certaine manière, mais deux jours. Allez, le circuit de Washington, en touring car, on partira 9ème, voilà, pas de qualification non plus. Alors si je voulais partir premier en faisant un meilleur tour, je peux pas, j'ai 9ème, c'est comme ça. Alors le jeu est censé commencer... quand vous jouez la première fois que vous lancez le jeu, vous allez jouer avec les gâchettes, hein. Gauche, droite, pour accélérer, freiner, etc. Moi je joue à l'ancienne, c'est-à-dire X pour accélérer, carré pour freiner, et on tourne gauche-droite, ça ne bouge pas non plus. Donc il y aura 3 tours à faire, on a une petite carte donc en bas qui nous indique où sont les positions des autres pilotes et évidemment les prochains virages. Et déjà j'ai tapé avec la Chevrolet, ça commence super mal. Un peu. Alors, on a aussi beaucoup d'inscriptions, hein. C'est un petit peu difficile de vous expliquer ça, mais en gros, au niveau du compteur de vitesse en bas à droite, vous avez sur le côté des petits pictogrammes pardon, qui vous donnent l'état de dégâts, par exemple, pour ce qui est le volant, la direction, la suspension, etc. Donc, c'est à surveiller évidemment quand vous roulez. J'ai touché une autre caisse qui était un peu perdition. De faire un peu gaffe quand même. On va essayer de rattraper les deux. Donc il y a Carl Davy, c'est pas Carl Lewis devant, et Tom Wimbley. Donc on a donc, je vous l'ai dit, les cryptogrammes pour vous dire s'il y a des dégâts sur la voiture, hormis de ceux qui sont visuels de toute façon, vous pouvez voir là. Et les dégâts mécaniques qui sont toujours présents, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. On a pas mal de voitures en piste. Ok. Alors j'ai un peu du mal au niveau du freinage pour le moment, hein, avec la voiture que je découvre en même temps. Ici, accélération. Je sais pas mettre la vue arrière par contre. Ah si c'est bon, la vue arrière c'est R1. Oh là là là, attention. On l'a dépassé. Notre voiture est complètement démolie, on a à peine fait un tour. Et on est en tête, non, il nous a repris la position. D'ailleurs ça fait deux Chevrolet Lacetti, première et deuxième. On va partir à la fin, du coup marche arrière vite. Et on repart. Oh là là, j'ai cassé un peu les roues, et là on se retrouve 9ème, ça c'est pas bon. Non, ça s'est très très mal passé. Très mal passé. Donc je vais garder cette vue pour le moment. Ces derniers tours, ça va être chaud. Ça va être chaud les freinages aussi. Alors ce qui est assez intéressant dans le jeu, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être en meute dans le peloton. Et que c'est très très grisant, ça c'est vraiment un point que j'avais bien aimé à l'époque. C'est que jusqu'au bout on a l'impression franchement que ça va être difficile. Et voilà, ça va être très compliqué. C'est passé à l'intérieur peut-être. Ouais non, on s'est touché, réaccélération. On est 8ème, c'est pas bien, hein. C'est pas bien, faut qu'on termine 5ème. Ouais, 5ème, j'y vais au forceps un petit peu, accélération ici. On est 3ème, oh je peux même encore gagner, ça serait pas mal. À l'intérieur, c'est pas grave, on y va, on va tout casser. J'ai une légère fuite, apparemment une chauffe au niveau du moteur. D'ailleurs je le sens, j'ai la vibration. Une vibration au niveau de la manette. Allez, on va prendre l'aspiration sur lui. Sur la ligne d'arrivée, peut-être qu'on peut gagner. Bon, ça serait juste, ça serait pas mal pour un début. Ah, c'était pas loin. on a gagné, mais ça s'est joué à quelques secondes. Bon, j'ai été totalement brouillon. C'est un jeu où c'est... Normalement on est censé ne pas l'être, hein. On est censé quand même faire assez gaffe. Mais en vrai, comment voulez-vous ne pas être brouillon? Il y a tellement de voitures, c'est les circuits en ville, là, il n'y a pas de place pour dépasser. C'est quand même assez compliqué. Donc là on a gagné, c'est bien pour 6 petits centièmes. très beau début de carrière. Donc voilà. Donc c'est un jeu qui est super intéressant si vous aimez quelque chose où ça bouge. C'est un mix un petit peu arcade, simu entre les deux. Ça va vite, je disais, on peut se taper, il y a des dégâts, on peut revenir en arrière. C'est un jeu qui va plaire plus ou moins, essayer de plaire à tout le monde.
Donc là, on a eu la prime et l'objectif bonus, finir au moins 5ème. Voilà. J'ai 270 points dans la catégorie ARL. Et 270. Oh. Alors heureusement, j'ai pas perdu de l'argent en ayant détruit la moitié de la caisse. Hein. Parce que si on devait compter les prix des réparations, je pense que je gagnerais plus grand chose. Et du coup, j'ai une offre pilote pour trois autres séries. Pour le moment. Alors si je suis dans le menu principal, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde de grid. Ouais, j'ai rien d'autre pour le moment. Donc on peut faire le top secret. On pourrait tenter ça, tiens, par exemple. Finir avant Toyo Team Hurricane, ça ferait 4000$. Là, on a la Mustang aussi qui peut être intéressant. Auto Orlando Sport, il y a un troisième. Voilà, on va tenter celui-là. Sur le circuit de Yokohama Dock Route. Donc, c'est pareil, on est au Japon, on est plus aux États-Unis, mais on est encore sur un circuit. Bah, ça a pas l'air d'être dans les docks, donc on va être, en ville. Hein. Un peu dommage. Allez, c'est parti. Je vais laisser le mode pro, bon, on va laisser comme ça. Hein. On verra un petit peu s'il y a une différence de difficulté entre la première course qu'on a faite avant et celle-là. Historique Air, 2 victoires, 2 podiums, donc ça c'est pas mal, hein, les petites stats. Hâte de voir évidemment quand on aura notre équipe, ça va être plus intéressant bien sûr. Ça va être victoire aussi, ça c'est pas mal. On a fait une course en pro, Muscle Car. Allez, Yokohama ProTune, et vous voyez, on a le même temps, les mêmes colorimétries. Voilà, si vous aimez, vous allez adorer, si vous aimez pas, bah, malheureusement, ça va être le jeu tout le temps comme ça. Allez, c'est parti! Petite vue rapide de l'intérieur, voilà, pour vous montrer quand même que le jeu est assez fidèle au niveau des cockpits. J'aurais aimé ne pas prendre le mur, ça aurait été quand même plus intéressant. Non, je vais peut-être... aussi, je vais garder la vue un petit peu intérieure, allez. Pour le début. Gros freinage. Par contre, je trouve que le freinage, là, ça fait deux voitures différentes. Je trouve que le freinage est super mou. Et l'auto a tendance à aller vraiment... n'importe quoi, elle est vraiment à tirer tout droit à chaque freinage. Quoi. Il y a un camion en plein milieu, tout va bien. Ok, il y a des caisses. Ouais, donc là franchement, on n'est pas dans un environnement. Enfin, on serait dans Need for Speed, ça serait pareil. Quoi. Par contre, je suis vraiment mauvais là. Pour l'instant, on est dernier. J'ai même pas réussi à tourner. Vous voyez là, je ne peux pas tourner, hein. je freine, mais la voiture tire tout droit quand même. Ah, mais en fait, c'est parce que j'ai cassé la suite de la direction. Ah, du coup, c'est ma faute. Bon, rien à dire, du coup, c'est à cause de moi. Du coup, si je fais start, par exemple, je ne peux pas recommencer. Relecture instantanée. Je ne peux pas recommencer. Parce que je suis en mode pro. C'est quand même à la finir, même si je doute faire un bon score. Parce que là, une bonne position finale. Parce qu'avec une voiture qui tourne pas, surtout sur un circuit où ça tourne à fond, ça risque d'être compliqué. Bon, je vais quand même essayer. On n'est pas perdu. Je crois qu'il y a le team NK devant. Comment ça s'appelle là, le team avec l'équipe aux couleurs vertes et bleues. Et ben voilà, ça tire tout droit. Je crois que je vais finir à une pauvre 12ème place. Hein. En tout cas, on promet le chemin. Pour 2 sur 3. Au devant, ça fait n'importe quoi. On va essayer quand même de prendre un. Eh ouais, mais il y avait un camion en plein milieu. Qu'est-ce que fout un camion ici? Je sais qu'on est dans les docks, mais quand même. Alors vous voyez, quand même, il y a pas mal de destruction. J'ai cassé toutes les caisses autour de moi. Par contre, j'ai vraiment une voiture en mauvais état. Et du coup, ouais, c'est impossible de tourner. Ah, c'est dommage parce que j'aurais pu prendre quelques places, voilà. Genre une. Et si on pouvait ne pas finir en dernier, ça serait quand même extraordinaire. Ah, j'ai pas le rythme, même lui il me rattrape.
Ouais, j'ai pris l'intérieur parce que je me trompe pas. Bon, après une course normale, là, ça va être un vilain échec. Je n'arrive même pas. Oh bah là, je suis mort. Hein. Là, c'est fini. Hein. Je ne peux même pas tourner. Je ne peux même pas tourner, donc on va faire abandonner. Je crois que la lecture instant, je peux pas. On va faire oui, quitter la course. Du coup, je vais perdre de la DNF. Je vais perdre de la réputation, quoi. Quoi qu'il y en ait. Donc, on devait finir devant le team Hurricane. Donc, en gros, terminer dans le top 3, c'est mort. Je pense qu'on n'aurait pas réussi. Donc, là, on est en Asie, ça se voit, puisqu'on a des Japonais, des Chinois, des Indonésiens, Malaisiens et. Bah, c'est tout. Donc, c'est un bel échec. On va tenter une autre course. Au moins, c'est faire, hein. Échec, échec, rien à dire. 0, 0, 0. Et du coup, bah, à la place, ce qu'on va tenter, c'est peut-être finir devant Top Secret 10 euros. Je sais pas ce que c'est le Team Orange. 50. Brain Motorsport. On va tenter les Porsche. Et là, ça fait plaisir. On a enfin un circuit qui est un circuit différent. Retour et on va lancer du coup le mode la compétition tout simplement. La course qu'on a faite avant, par exemple, je trouve qu'elle n'a rien à faire dans un Race Driver. Vraiment, je pense qu'elle a rien à faire dedans. Je dis pas ça parce que je l'ai perdu, hein, c'est pas le point de vue, mais. Donc il y a plusieurs catégories dans une seule, donc effectivement on pourra pas aller se battre avec des LMP1, enfin je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais en tout cas des protos. Je ne connais absolument pas Jarama, donc bah, on va découvrir ensemble, par contre c'est ce que je ne connais pas. Je n'ai jamais fait Jarama. Je sais qu'il est élu en F1 à l'époque. Alors. Sport auto, je l'ai jamais vu ce circuit. On va se passer à l'intérieur, yes. Alors normalement les Porsche ont tendance à vraiment chasser du cul. Pour le moment c'est pas trop le cas, alors c'est parce que j'ai peut-être pas activé l'anti-patinage. Et n'importe quoi, et voilà, on est parti à la faute. Et je repars à la faute dans l'herbe, ok, bah jusque là c'est bon. Et du coup on est dernier, c'est parfait. Allez, on va voir un petit peu les autres vues, un peu ce que ça donne. J'aime bien les vues proches du sol parce que ça donne un effet de vitesse très grand. Et là, on est avec la Porsche. Non, les graphismes, il n'y a rien à dire. Hein. Pour l'époque, c'était quand même vraiment très beau. Les sons sont bien rendus aussi, l'univers est bien rendu, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Et hop, le gravier, génial. Alors, je sais pas si on a les écarts avec les autres. On voit les positions certes, mais les écarts, je les vois pas du tout. Bon là, mine de rien, on a beau conduire une Porsche, je n'ai pas l'impression de conduire une Porsche. C'est très arcade dans le maniement. Voilà une erreur quand même, ça serait bien. Parce que je vais quand même réussir à la rattraper. Non, je la rattraperai pas. Enfin, je doute que je puisse la rattraper maintenant. J'ai pas eu tellement de temps en tête à queue multiple dans le virage d'avant. Bon, circuit assez marrant d'ailleurs au passage, hein, pour un petit à main.
Ah oui, il y a aussi le dépôt de la terre sur sur le véhicule. Ça, c'est très bien fait. Ah, vous inquiétez pas, hein, je vais quand même bien sûr parler des points positifs du jeu. Hein, c'est pas parce que je n'ai pas forcément aimé que. Je l'ai pas bien, hein, comme je disais. Attends, le temps de la remonter dans le dernier tour, on n'est pas prêt. Hein. Ah, quoique. Quoique. Sais jamais, sur un malentendu, peut-être on pourrait ne pas finir dernier. Attention. C'est vraiment deux virages où j'y arrive pas. À chaque fois, je pars dans le gravier. Là, ça finit, c'est trop tard. On va finir dernier. Ouh, 0 point, 0 argent, rien du tout. Ah, il aurait mérité un de les deux tours, un tour de plus. J'aurais peut-être pu m'en sortir mieux. J'ai le record du monde, quand même. Du coup, les levelers ont gagné, bon ça d'accord, et par contre, bah nous, on a fini, bah, dernier des GT2, alors c'est bien, vous avez toutes les classes, LMP1, LMP2, GT1, GT2, on a fini, bon dernier, félicitations, je pense qu'on va servir du jeu. Aïe aïe aïe. Ah, je la refais, en vrai, je sais pas, la même erreur pour le virage, on peut se défendre, hein. Là j'ai vraiment perdu tellement de temps. Bon, j'ai terminé la compétition, au moins j'ai gagné 6000, ils ont été sympas. Voilà, ça me fait 12 000 soldes, 28 000. On va repasser à la suite. Bah, pour l'instant, on va enchaîner les courses. Du coup, argent nécessaire 52 000. Donc, pour le moment, on va enchaîner. On va essayer de voir si on peut passer à la suite. On a combien? 28 minutes de vidéo. Benoulet, Team Deutschland. On l'a déjà fait, ça, il me semble. Voilà, on va tenter le O'Brien Motorsport sur le circuit de San Francisco. Petit circuit B. Et midi circuit. Voilà, on sait. On va voir si la Mustang elle a aussi manimité différente. Je l'espère. On est quand même sur un, en tout cas, race driver. Enfin, en tout cas, un race driver. Bon, le dérapage, on n'a pas de points parce qu'on a toujours pas fait le mode dérapage. Je pense qu'on aura un mode à faire plus tard. On a fait que 35 km pour le moment. C'est un jeu qui est assez long, hein, mine de rien, assez dur. Vers la fin, c'est vraiment très difficile. On va partir 8ème. Un problème, c'est que je découvre à chaque fois les caisses. Et pour une fois, je rate pas trop mon départ, c'est bien. De toute façon, il va y avoir une chicane dès le début. On se calme doucement. Ouais, on va essayer de faire les choses un peu bien cette fois-ci. Oh là, je dis ça pour rentrer dans le cul d'une. Dans le cul d'une Mustang. Je crois qu'il n'y a que des Mustangs d'ailleurs. Tout à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Oh, et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben évidemment, quand il m'a touché, ça me fait partir tout droit. Et on est 11ème sur 12. C'est trop bien. Et en plus, j'ai la voiture qui vient tout dans la droite. Ah bah évidemment, hein, j'ai pris tellement fort le choc. Et du coup, ça va pas s'arranger, hein, puisque comme la voiture, la caisse est morte, c'est encore plus difficile de prendre les autres virages. Ici, ah, ça passe, close pied, torsion ici, accélération. Ah, ils ont déjà rattrapé. Il y a 4 tours à faire, le circuit n'est pas là très long. Je pense qu'un pilote a fait un tête à queue. On dirait que c'est Hansi Kimberley. Ah ouais, le fameux Hansi Kimberley, bien sûr. Hey, Jamy. Oh mon dieu. Du coup, dans la ligne droite, on va pouvoir les dépasser. Attention, gros freinage ici. Je vais essayer de pas me faire avoir deux fois quand même, ça serait dommage. On peut les remonter si on fait plus gaffe. Ouais, voilà, je suis juste à faire ça et l'autre, il me rentre dedans, magnifique. Ouais, c'est quand même très difficile d'être propre. Hein. Les IA sont assez rugueuses aussi, y a pas que nous. Et voilà. Et du coup, je suis rentré dans l'autre caisse. C'est génial. Alors, je peux le faire apparemment. Je pensais que j'avais retiré le flashback, mais bon. Ok, bon, on va valider alors. Sauf que je peux pas en fait. Ouais, j'ai zéro.
Bah, je peux pas en fait. La voiture est gravement endommagée, il peut pas terminer la course. Si je fais relecture instantanée, bah, que je valide, ça va rien faire. Parce que j'ai pas la possibilité, j'en ai zéro. Donc on va faire abandonner, hein. Qu'est-ce que je le fasse? Oui. Voilà. Et là, typiquement, ce qui est pas mal dans le jeu, c'est que bah, c'est. L'IA en fait a beaucoup d'impact sur nous. C'est-à-dire que quand elle fait n'importe quoi, comme là où j'ai tombé, elle s'est plantée, je me suis pris la caisse, j'abandonne. Bon, bah, pas de chance, mais au moins ça donne un côté plutôt réaliste en fait au jeu. Bon, je suis extrêmement déçu parce que je n'ai rien gagné. Et du coup, bah, on enchaîne les désillusions. Puis tout à l'heure, c'est magnifique. Bon, bah, échec, échec. Hein. C'est pas moi, monsieur, hein, il était vraiment en plein milieu de la piste. Aïe 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 aïe. Bon, de toute façon, je vais faire des courses tant que j'ai pas 52 000. Donc, l'avantage, c'est que je peux continuer ça infiniment. On va tenter celui-là. Il y a les Speed California sur le Goodyear Continental Vous GT. n'avez pas vraiment brillé lors des deux dernières courses. Pourquoi ne pas essayer un niveau plus facile? Parce que je suis un warrior et que j'ai quand même envie de gagner avec ce niveau de difficulté. Et qu'on parle de Race Driver, on parle pas de Aristo Corsa ou Alpha Tor 2. S'il vous plaît. Je veux quand même réussir à une bonne course sur la vidéo. Alors, on est avec une Lamborghini, ça risque d'aller assez vite. Alors, on y croit. J'essaie de découvrir un peu le freinage, ouais, ça va. Bon, là, il y a une Corvette apparemment devant. Ça va être Lamborghini contre Corvette. Attention. J'espère qu'elle a rien. Bon, on va dire que j'ai enlevé un petit peu de poids sur l'auto qui me... partie tout ça à la faute. Voilà, qu'est-ce que je disais que l'IA est quand même au moins intéressante dans ce jeu. C'est qu'elle part aussi à la faute, elle fait des erreurs, elle est aussi... elle peut être dangereuse pour nous. Autant que je suis dangereux pour moi-même. Alors, du coup... Ah, c'est sûr que je m'en souviens un petit peu, ça me parle. Ouais, ça devrait le faire. Par contre, j'ai vraiment du mal à tourner, hein. Ça c'est vraiment... qui m'ennuie. C'est normal. Un pilote vient de faire un tête-à-queue. C'est Miyazuki Yamaguchi. Ce qui est bien, c'est qu'il prononce tous les noms de pilotes. Fabien Clavotte est devant vous. Pour les autres, par contre, que j'ai vraiment du mal à être en confiance avec le jeu, avec la voiture, parce que les points de freinage, honnêtement, je les sens jamais. On est passé sous un tunnel. Regardez le petit effet de. Le retour du tunnel avec l'éblouissement est quand même bien fait. Ben, on sait que le virage est à coupe droite, donc on va pouvoir freiner un peu plus fort. Voilà, intérieur. Les 8 tirs. Merci. Merci Jean-Pierre, Jean-Pierre Dépassement. J'ai... Ok. En fait, j'aurais jamais dû mettre la vue arrière. Et deux tours à faire. Bon, allez, je peux quand même la finir, s'il vous plaît, quoi. C'est moi une chance. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que dès qu'on dépasse une caisse, on se retrouve à se faire embarquer bah, du côté extérieur. Et qui dit du côté extérieur, dit dans le mur. Là, j'arrive même pas à tourner. Ok. T'es sûr de toi, hein? Parce que visuellement, c'est pas pour ça quand même. T'es sûr qu'il y a aucun risque là? Il y a Matt Damon devant moi. Choc. Je sais pas si je peux repartir, 9ème. Allez, on repart dans le mur. Et qui c'est qui va finir dernier? Encore une fois. Ouais, c'est bon, on va finir dernier. Voilà. Donc, je n'ai pas réussi à rehausser le niveau. Ah là, au secours, au secours.
C'est dommage, hein, parce qu'on était bien placé à un moment. Et cette vue arrière, je n'aurais jamais dû utiliser. Ça a causé ma perte. Bon, on a au moins 6 000 $ pour finir la course, mais c'est vraiment pas très glorieux. Il y a un... Est-ce qu'il y a un... Comment dire? Une stat du nombre de courses foirées à la suite. Parce qu'on a le nombre de courses gagnées à la suite, mais pas celle foirée. Auto Elite Racing, Koenigsegg, finir avant Limit Tension. On va tenter ça là, enfin retenter, on va la tenter. Long Beach. Vous n'avez pas vraiment brillé lors des deux dernières courses. Pourquoi ne pas essayer un niveau plus facile? Parce que. Allez, c'est parti, Long Beach Prestige avec. Il va falloir finir devant Armand Babier. Oula, il n'y a pas de long en plus. Ouais, départ cohérent pour une fois. Alors, appelons-nous qu'il y a un virage, voilà, souvent ça aide de les prendre quoi. Ah, ok, il y a une petite bosse en fait. Oh là là, devant! Ah bah, il a plus qu'un tête à queue là, il s'est envoyé en enfer. Là. Oh là là, mais regardez, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'en peux plus de ces circuits en ville, vraiment j'en peux plus. Si vraiment il y avait ces circuits en ville, je peux vous dire qu'il y aurait 20 000 morts par an, hein, parce que c'est totalement improbable. Non mais je veux dire, bon, être bon pas bon, ça c'est c'est personnel, mais je veux dire faire des circuits comme ça dans le jeu, pour moi c'est insupportable quoi, c'est... Je comprends pas le plaisir en fait qu'il y a à faire des circuits en ville, alors qu'on pourrait faire des circuits beaucoup plus intéressants avec ce genre de caisse que faire des circuits à angle droit où il y a des murs de pneus partout, et que c'est planté d'ailleurs, voilà. Déjà, je prends pas beaucoup de plaisir dans le sens où voilà, j'aurais pour aller un peu à vide, etc., avoir des points de freinage. Là, c'est à chaque fois, c'est. On profite pas des caisses en fait. On profite pas des caisses parce que c'est des circuits pas trop étriqués quoi. C'est comme si en fait en Formule 1, par exemple, dans le calendrier, vous avez 30 fois le circuit de Las Vegas quoi. Je parle de Las Vegas des années 80. César Palace. On va essayer de se calmer parce que effectivement j'étais bourrin, donc c'est quand même de voir si on peut faire une course normale sans se planter. Donc je vais me concentrer, je vais essayer de profiter du jeu. Ouais mais c'est dégueulasse, ils ont des ailerons, pas moi. Félicitations, vous détenez le nouveau record du tour. Non, j'ai pas réussi à tourner, hein. Je vous le dis, j'ai pas réussi à tourner. J'ai tenté, ça a pas marché. Allez, Jackie et Michel mènent la course. Oh, l'intérieur, on rentre les deux, magnifique. Alors ça par contre c'est du beau dépassement, je suis très fier de moi. Continuez comme ça, vous êtes en tête. Effet d'éblouissement, plutôt bien fait.
Je rappelle quand même que le jeu est quand même super vieux et en termes de nez, hein, et franchement, il a rien à envier, je trouve, en termes de graphisme au jeu quasi actuel. De proportion gardée, évidemment, mais je trouve que voilà, il fait pas tâche. À part l'effet trop présent de blanc. Je sais plus comment ça s'appelle cette aberration chromatique, enfin, c'est un petit peu ça qui m'embête. On va gagner la course? Est-ce qu'on va gagner la course? Je suis à fond. J'ai hâte de voir le replay, mais ça, ça te sort complètement du jeu, là, c'est pas possible. J'ai hâte de voir le replay. Alors, Alexis Rosen, dernier d'ailleurs. Le français. Ah non, il y a Louis Leclerc et Armand Babier. On a fini devant lui d'ailleurs, c'est l'objectif. Donc là, on a enfin réussi les deux objectifs. Ouf, on sort de la spirale infernale. Et en plus, je pense qu'on va avoir assez d'argent cette fois-ci pour pouvoir passer à la suite. Parce que je voulais au moins vous montrer. Il... Ouf, ça fait des points. 150. Heureuse de vous revoir, Sarah. Excellent pilotage. C'est ce que j'appelle une victoire. La 17... Ah non, je crois qu'il manque 1000. Ah non, il me faut encore 23 000. Oh bon, on n'a pas fini, les gars. Bon, la vidéo va pas faire non plus de 3 heures, hein, donc je vais quand même continuer pour montrer d'autres trucs. Mais... le team orange, on pourrait tester. Il est en bas depuis tout à l'heure. Ah, c'est du drift. Bon, on va découvrir le drift. Les compétitions Drift GP sont basées sur une structure de tournoi avec élimination. Chaque pilote doit affronter un concurrent contre lequel il doit marquer plus de points au cours d'une manche unique. Sortez victorieux et vous accéderez à la manche suivante du tournoi. Les points sont attribués en fonction de l'angle, de la vitesse et de la durée de vos dérapages. Angle large et vitesse élevée se traduiront par des scores plus importants. Après un dérapage, vous disposez d'un court intervalle pour en effectuer un autre. Enchaînez plusieurs dérapages pour augmenter vos combos. Dérapez à proximité des drapeaux rouges pour gagner des points supplémentaires. Faites attention, si vous sortez de la piste ou si vous percutez quoi que ce soit, vous perdrez tous les points accumulés. Bonne chance. Bonne chance. Bon, on a compris qu'il y avait toujours des bugs avec les vidéos. Ça arrive. On va aller à la course et on verra ce que ça donne. Je sais pas si c'est en solo ou s'il y a d'autres gens. Entre nous. Enfin, j'ai dit qu'on a des concurrents, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont en même temps que nous sur la piste ou est-ce que c'est chacun notre tour? Je ne me souviens absolument pas. Allez, on traque en Yousif. Alors, le frein à main, je sais plus ce que t'es comme touche. Ok, j'ai commencé à comprendre. On a un petit combo x3, donc on va essayer d'en profiter. Non, c'est loupé. Non, tant pis, on n'aura pas le combo. Magnifique. Heureusement, on va pas avoir le x3, x4, x5 parce que bah, on n'a pas enchaîné la combinaison des dérapages. Bon, je sais pas ce que c'est, si c'est bien ou pas. J'ai pas l'impression d'avoir fait le ouf avec ça. Ah non, ça va, on les a démontés. Non, il a fait que 44 000, on a fait 332 000. Bon, là, honnêtement, c'était super facile, on va pas se mentir quand même, c'était vraiment vraiment facile. On a réussi sans trop de problèmes, en plus la voiture se manie super bien. Ah, mais il y a une demi-finale. On est contre Takahiro Ueno. Pas confondre au parc Ueno à Tokyo d'ailleurs. Bien joué, on est en demi-finale. Ou alors le jeu du Uno. Allez, c'est parti. Je pense que le score à battre va être beaucoup plus difficile. C'est moi qui parle en japonais. Ah
contre, c'est bizarre, j'ai l'impression que le jeu aide, en fait. J'ai l'impression que c'est lui-même qui place la bagnole, c'est très bizarre. Hein. Ah non, joli, j'entends joli. Voilà, on est pas mal. Je pense qu'en termes de points, là, ça devrait... Ouais, 54 000, ah, ça va le finir. Bon, en même temps, 157 000, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, déjà. Ok, bon, il a fait 58 000, on a fait 10 fois son score quasiment. Pour le moment, rien à rajouter. Ça n'a pas l'air très compliqué. Et on passe à la finale contre une Jinkudo. Le fameux Jinkudo, bien sûr. Qui sera sur une seule Sylvia S15, ben, comme nous. Au duel, on va dire équivalent. Ça sent pas trop mal, mais je pense que le combo il va tomber. Ouais. Là on a des pif paf gauche droite, il y a cette paf, pas trop fort souper pour enchaîner le combo. Voilà. Ah, j'ai fait que 172 points. Oh, c'était moins beau, hein. On a fait que 206 000. Bon, il a fait 97 000, donc ça va. Bon, on était quand même largement devant lui. Bon, c'était pas ouf le dernier run. Après, le mode dérapage, ça va. Bon, c'est moins difficile que Link Force quand même. Pour le moment, en tout cas. Pas le plus difficile. C'est peut-être parce que c'est la première fois, hein. Donc, et après, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Et du coup, on a 10 000 dollars, plus les 450, du coup, on est à 600 points, ça c'est pas mal. Je crois qu'il va me manquer combien? 7 000 dollars. Bon, je sais pas qu'on va y arriver avant l'heure. C'est quoi là? On a une Honda NSX. Ça pourrait être pas mal ça. Ah, je vais tenter quand même avec la Honda NSX. C'est sûr, Okutama Circuit Sprint. Mais c'est encore un truc du drift, non? Je sais pas quelle va être la course. Et dans ton trop court de vitesse, c'est avec la Koenigsegg 310. C'est un objectif de vitesse de 153 km/h. Ok, on va être tout seul. Ok, donc faut atteindre les 253 km/h sur le circuit. Pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas atteint, mais en même temps. Bon boulot! L'argent de cette prime va nous être utile. Bravo!
Ouais, donc c'était vraiment dans la ligne droite de fin qu'on pouvait prendre la vitesse. Ok. Bon bah c'était un petit défi pas fort sympathique. Assez basique mais très sympathique. Donc on a réussi. Par contre ça nous a donné beaucoup de points, alors que honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse différence en fait entre... comment dire, je pensais que le fait qu'il y ait beaucoup de points à gagner, ça serait beaucoup plus difficile. Par rapport aux autres événements au-dessus, où il y avait que 170-200 points maxi. Et il s'avère que pas forcément. Donc c'est un petit peu bizarre le système de notation de points, je sais pas. C'est sous ce nom que le monde tout entier nous connaîtra. Alors soyez créatifs. Alors je vais l'appeler mon équipe, évidemment. Alors bonne question. Comment on va les appeler? Comment on va appeler l'équipe? Bon, on va l'appeler. Allez, ceux qui auront la ref, franchement, félicitations. Je leur dis bravo. Je vous dirai dans quelques instants ce que c'était. Ça marche. Nous avons dépensé tous vos gains pour la restauration de la Mustang et l'inscription de l'équipe. Les fonds sont donc plutôt bas. Nos mécaniciens ont travaillé sur la Mustang et lui ont redonné une seconde jeunesse. Elle est fin prête. Il ne nous reste plus qu'à choisir les couleurs de l'équipe. Sélectionnez les couleurs et motifs souhaités et nous les appliquerons sur chaque nouvelle voiture. Nous voulons faire de vous et de votre voiture une marque qui attirera les sponsors et les meilleurs pilotes. C'est notre ticket pour la gloire et la fortune. Alors là, je pense qu'il y a un petit bug d'affichage, en fait, quand même, honnête. Je doute que ce soit la couleur par défaut de la caisse. Surtout que je ne vois aucune différence. Ah ouais, ça a complètement bugué, quoi. Bon, on va mettre du rouge, c'est pas grave. Primaire, rouge. Allez, secondaire blanc, basculer en vue libre, ça, on va choisir ça, on va faire OK, retour, numéro, allez le numéro 27, non. Le motif, on va le changer, on va mettre ça, tiens, et on va faire retour. Je pense que ça c'est un bug d'illumination, désolé. Sinon je pensais qu'il y aurait, ce bug. Donc si vous avez trouvé d'où vient ce Navi Connection, bah, ça vient d'une équipe de Formula Nippon japonais, voilà, qui s'appelle Navi Connection. Ça a perduré 2-3 années je crois, mais ça s'arrête là. Donc, maintenant on a les off-pilotes, on peut voir mes compétitions, donc on va aller dans les compétitions. Le podium représente le monde de la compétition professionnelle. Il est divisé en 3 régions, les États-Unis, le Japon et l'Europe. Chaque compétition remportée améliore votre réputation et vous donne accès à de nouveaux permis. Plus vous avez de permis, plus vous pouvez participer à de nouvelles courses et plus nous ferons d'argent. On adore l'argent. Donc, présentation d'ailleurs super classe des championnats, j'avais totalement oublié, mais c'est vraiment super beau, regardez-moi ça, c'est magnifique. Les effets de réflexion dans du verre, enfin, c'est vraiment excellent. Permis ROR, badge débutant. J'ai pas de points en euros, alors peut-être que on va faire ça, je sais pas. On va commencer juste une petite course comme ça. À partir de 44 000 $, oui, il faut payer. Hein. Il faut payer pour pouvoir participer. Ah non, c'est du classique muscle, franchement ça m'intéresse pas le muscle car, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a encore du classique muscle. Ah bah évidemment qu'on a que du classique muscle, puisqu'on a... puisqu'on n'a pas la voiture pour, en fait. Par contre, je sais pas ce que c'est, ça. Touguay est une compétition 1 contre 1 qui a lieu au Japon sur des routes de montagnes sinueuses. Les compétitions Pro Touguay sont organisées en plein jour sur des routes publiques fermées à la circulation. Vous effectuerez 2 manches contre chaque adversaire, l'une en montant, l'autre en descendant. Le vainqueur est le plus rapide sur les 2 manches. En Pro Touguay, tout contact entre les pilotes est strictement interdit. C'est donc aux pilotes de derrière de faire en sorte qu'aucun contact ne survienne. Soyez extrêmement prudents lors de vos tentatives de dépassement. Ah oui, donc 58... Mais j'ai pas assez d'argent, en fait. Excusez-moi. Bah, j'ai pensé le que j'ai, hein. Je pense que vous avez gagné ces courses avec trop de facilité. Augmentez la difficulté et augmentez votre réputation. Non, c'est faux. Donc on va essayer un mode qui va faire plaisir à tous les amateurs de courses...
Le bonnet, on va dire. Donc on va essayer ça, pourquoi pas. Et puis on va finir en beauté sur une course un petit peu différente, sur le mont Haruna. Entre Itomi et Mitsubishi. Ok. Ok les gars, s'il vous plaît, achetez-vous une personnalité, trouvez des noms. Ouais, dommage, la peinture là, totalement buggée. Allez, on va partir devant lui. Il a pas le droit de me toucher, on a dit. Qu'est-ce qu'il fait? T'as perdu, hein, t'es éliminé, hein, c'est fini. Allez, donc là on est sur un circuit, c'est pas un circuit, on peut tourner carrément dans la campagne, quoi. Il y a quand même des gens qui nous regardent. Et voilà, on est parti en tête à queue. Tête à queue, c'est... on dit tête à queue en japonais. Hein. C'était pas une faute de langage. Il me croit, me suit. Donc là, il nous a dépassé, évidemment, puisque ben, on s'est totalement loupé. Et ça, c'est scandaleux, parce que moi, j'imagine que si je le dépasse, ils vont me dire, si je le touche, j'ai pas le droit. Ah, il y a deux tours, ok, je pensais que ça allait être une spéciale... voilà, point A à point B, en fait, sans faire un tour. J'ai compris, il m'a touché une fois, il a pris 2 secondes de pénalité, on a fini à 1 seconde de lui, donc ça veut dire quoi? Bah qu'on est devant de 1 seconde. C'était trop facile. Ok, bon. Deuxième partie. Et deuxième tour. Ah, c'est dans le sens inverse, j'ai l'impression. Par contre, il faut pas que je le touche. Bon, je sais pas comment je vais pouvoir le dépasser sans le toucher, hein, vraiment. Je vais faire des efforts. Mais là... Oh non, on l'a touché. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, je l'ai touché, je pouvais pas l'éviter. Non. Ouais, là, c'est bon. C'est bon, maintenant on l'a passé. Alors si je suis malin, je le fais toucher pour qu'il prenne une pénalité. Je sors pas de la piste comme un débile, et voilà, toucher la piste, et voilà, et voilà, je déteste cette caisse, c'est impressionnant, je déteste les Mustangs, je déteste les voitures américaines, vous le savez. Non, j'avoue, c'est de la mauvaise foi complète. Non, mais c'est dommage, on l'avait passé à la reluire et tout, et en plus on se prend 2 secondes de retard, c'est un scandale. J'en ai bientôt fini le tour, ah c'est fini. On finit à 3 secondes 25, ça veut dire que... C'est-à-dire qu'on perd. Tout simplement. Et voilà. Du coup... on a perdu. Bon, c'était pas mal, mais en vrai, ça va être plutôt marrant. Bon, évidemment... voilà. Et du coup, c'est Ken Izura qui a gagné, du coup, on gagne rien du tout. C'est pas grave, ça arrive. Je vous propose de faire une dernière course et on se relaissera là. Classement compétition. Ah, mais d'accord, ok. Attendez. C'est quoi le délire là? Inscription. Un solde de 22 000, gagne la saison 14 000. Ah, on gagne quand même de l'argent. Oui, donc je disais. Je disais, mon équipe, voir mes voitures. On va faire une petite course, une dernière. Puis on s'arrêtera là-dessus. Je vais faire le permis Euro R avec la voiture que l'on a. On verra ce que ça donne. On n'a pas assez d'argent pour acheter de caisse, de toute façon, pour le moment. Faire aller à la course. On n'est pas le meilleur débutant, ça c'est dommage. Offre pilote, tu t'es effectué, gain 89 000 dollars. Et on a fait cette victoire pour le moment. Je pense autant de défaites au passage. Allez, la dernière, enfin la dernière en tout cas. Séance d'une heure sur le jeu.
On va attendre un petit peu, voilà. Il va y avoir un gros freinage bientôt, ils vont tous se piler dedans. Je vais en faire partie, vous allez voir. Non, c'est bon, on est passé à l'intérieur, double intérieur. Oh, c'est magnifique. C'était un départ totalement scandaleux. Enfin, un dépassement scandaleux, mais bon. Ce n'est pas un scandale pris dans la vidéo. Mais on est en tête. Que demande le peuple? Voilà, il faut quand même penser à freiner. Pour être intéressant pour la suite, quand même, de pas se planter. Par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, bah, comme j'ai ma peinture qui bug, la voiture est dégueulasse. J'ai l'impression qu'elle est totalement sale. Je le prends bien, je le prends bien. Je suis très ouvert à la critique. Il revient quand même, je pensais que j'avais perdu de la vitesse là, mais regardez, regardez, il est en train de me reprendre l'aspiration. Oh là là, c'est n'importe quoi. Deux pilotes se sont rentrés dedans juste derrière vous. Bah tant pis pour eux, hein, moi j'étais pas là. Hein. En plus voilà, je me reprends la caisse juste devant, c'est magnifique. Ça va, le choc a été amorti par les sacs poubelles. Tout va bien. Et du coup, c'est peut-être le moment d'organiser des courses à Paris, hein, avec tous les éboueurs qui descendent plus les poubelles. Limite pour la sécurité des voitures, on est bon, là. Bon, je vais faire un petit résumé quand même. Bon, j'ai un petit peu tout dit du début, hein, je pense que je vais pas rajouter grand-chose. C'est un très bon jeu, ça reste un très bon jeu quand même. Même si j'ai pas aimé le fait que ce soit pas trop dans la lignée des Race Driver de l'époque, qui était beaucoup plus sérieux, là, dans un truc plus arcade. Fun. Le jeu remplit quand même son objectif, faire un peu plaisir à ceux qui aiment le faire de la course automobile sans trop se prendre la tête. Il y a pas mal de choses, beaucoup de voitures, il y a pas mal de séries, pas mal de circuits, des circuits un peu de tout, ville, pas ville. Vous l'avez quand même quelques circuits un petit peu en dehors, donc ça c'est quand même intéressant. Quelques modes de jeu aussi qui changent un peu, le mode drift, le mode Toug, pas confondre avec le dessin animé de Toug. C'est une référence de vieux, ça, quoi. Donc voilà, c'est un très bon jeu, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Voilà, si vous êtes un vieux con, ça vous plaira pas. Si vous êtes un petit peu ouvert d'esprit, ça vous plaira. Voilà, très bon jeu, rien à dire. De plus, sur ce jeu, on va finir la course quand même. J'ai quand même envie de finir sur une victoire, ça serait quand même intéressant de pas se faire humilier 14 fois dans le jeu. On est dans le dernier tour en plus. Aidez-nous, le Nathan McCain. Comme par hasard, c'est un McCain. Hein. Ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça. Déjà la défaite en 2000 contre Bush. Bon. Non, en plus, je sais plus si c'était contre Bush ou si c'était contre Obama. On va finir deuxième, malheureusement, parce que je peux pas aller plus vite que lui. Moi, c'était une course presque propre. Et on finit deuxième. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On a les quatre forts devant, les Plymouth AR Cuda, deuxième. Pardon, qui sont de 5e place à la 10e place. J'ai pas trop parlé des musiques, bah, il y en a pas spécialement, il y en a que entre les parties. Elles sont, bon, elles sont dans le thème du jeu. Bah voilà, 18 points, classement de la compétition, tout va bien. 18 points. Je sais même pas s'il y a une deuxième course. Si, il y a une deuxième course. Bon bah allez, on va la continuer. Allez. Avec ma livrée poubelle. Ma livrée flat out. On pourrait dire ça comme ça. Allez, deuxième course. Ça perd l'intérieur du virage là, c'est pas bon. Attendez, on a tellement tourné qu'on aurait dû faire le tour. On a fait un cercle depuis tout à l'heure, c'est pas possible. Scott Jensen est juste devant vous.
Oh là là, le mur de pneus, et voilà, la marche arrière qui va faire. Et on va repartir dans le mur, parce que je n'arrive pas à repartir, parce que l'autre il est derrière, voilà. Et on est 11e. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai refait le profil avant, on dirait une Firebird maintenant. Aïe, 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 j'ai encore tapé. Je vais retaper là. Voilà. On va enlever la barre derrière nous, parce qu'elle nous fait perdre de l'aérodynamisme. J'y arrive pas, je vous le dis, j'y arrive pas. Je donne tellement mal cette caisse, à chaque fois c'est de l'intérieur. Alors que ça sort du viral à chaque fois que je veux freiner. Ça fait que sous virer. Bon, on aperçoit quelques petits dégâts au niveau de votre roue avant droite. Quelle roue avant droite? Elle est encore là? Alors du coup. Attends, les derniers, c'est mieux. C'est incroyable, il y avait deux virages à faire dans le circuit et je les ai foirés. Il peut se passer quoi? Il peut encore se passer quelque chose. Par exemple, un énorme crash devant moi. Monter à l'intérieur un peu, voilà. Ben voilà, parfait, dans la terre, c'est bien. C'est à l'intérieur, qu'est-ce que je m'embête, voilà. Oui, c'est propre, ouais, tu l'as dit. J'ai jamais vu un mec prendre un raccourci aussi proprement que lui. On avait jamais vu ça avant. Allez. Ça va, on est remonté assez vite. On va essayer maintenant de reponir sur les premiers. J'ai la vitesse pour moi, c'est déjà ça. Mais pas vraiment de freinage, c'est une ligne droite. C'est un virage très long à droite. J'ai dit ça pour me louper limite. Non, ça va, ouf. Ça aurait pu être pire. Alors, j'en ai pas trop parlé des vibrations, mais elles sont quand même plutôt bien faites. Là, je me sens vraiment la vibration dans le virage. Le fait que le pneu il soit en galère et la voiture aussi. Alors, ça se ressent assez bien. On va laisser se battre devant. Oh, pas trop m'embêter. Voilà, bonne accélération, on va essayer d'être propre. En plus, on a Nathan McKean qui est devant. J'ai pas envie de finir en frites. Allez, du coup, accélération, c'est bon. Non! Et en plus, il va m'amener où? Il va m'amener dans le cul-de-sac, mais c'est pas possible. Oh, le manque de chance. Ah, je suis dégoûté. Ah ouais, bah, devant nous, mais on se prend tous les murs, il va le rester, je pense. C'est loupé. Oh oui, c'est loupé, il s'est loupé et on est troisième. Et Ridley Scott qui pour le moment est premier. Sinon, il y a beaucoup d'acteurs dans ce jeu. Bon, on va finir troisième parce que c'est la ligne d'arrivée. Ils sont bons quand même. Ah, j'ai bien aimé le petit commentaire de fin. Nathan McKean par contre a fini premier. Alors, est-ce qu'il y a une autre course, ou est-ce que c'est déjà fini, le petit championnat, ou est-ce qu'il y en a 3 ou 4 autres? Allez, 34 points. 34 points niveau équipe. On a quelques points en euros. Permis course. Ah bah c'est fini. Je pense que c'est fini. Solde 69 000. Et on a des propositions de sponsors. Je me souviens qu'il y a des sponsors, effectivement. Donc on en a 2. Nous avons conclu notre premier accord de sponsoring. J'ai pris la liberté d'en habiller votre voiture. Nous gagnerons de l'argent pour chaque objectif accompli en course. C'est vous qui choisissez ou appliquez vos sponsors sur votre voiture désormais. Les offres des sponsors sont de plus en plus intéressantes au fur et à mesure que vous progressez. Je vous ferai savoir s'il y a d'autres propositions. Bah moi j'ai une idée. ça serait possible de mettre que le sponsor s'affiche normalement déjà. C'est pas mal. Bon, on va pas faire. On va revenir en arrière, on va faire retour. Allez, sponsor. Vous pensez pas qu'on devrait signer avec de nouveaux sponsors qui rapporteraient plus d'argent? C'est vraiment une vénale, hein, c'est pas possible. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même, on va s'arrêter là. Donc, c'était Race Driver Grid.
Bah, je le conseille, voilà. Je le conseille si vous aimez un petit peu le sport automobile, si vous aimez vous amuser sur les circuits, avoir un peu de fun, un peu beaucoup de cartons partout. Des courses quand même assez difficiles, souvent. Et un mode qui vous permet de choisir un petit peu sa difficulté à la volée, bah écoutez, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Ce jeu est pour vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.